Pour tout le monde, cette guerre sera de courte durée. Les Français pensent rapidement repousser l'offensive, mais lorsqu'en septembre les Allemands se retrouvent à 50 km de Paris, le spectre du siège de 1870 par les Prussiens ressurgit. La peur gagne la capitale. L'objectif de l'ennemi est de marcher rapidement sur Paris, devenu un enjeu national où l'état de siège est déclaré. Sous les ordres du préfet de police, le régiment qui assure ses missions de secours et de lutte contre l'incendie se trouve confronté au premier drame des efforts liés à l'économie de guerre. Afin d'augmenter les rendements et diversifier la production, les usines tournent à plein régime et les drames se succèdent comme lors de l'effondrement d'une partie des bâtiments des usines Renault à Boulogne-Billancourt, dont le bilan fait état de 85 victimes, dont 25 décédés. Le 20 octobre 1915, l'explosion d'une usine de grenades rue de Tolbiac tue 43 personnes, dont un médecin-major du régiment. Parallèlement à la mission traditionnelle, celle de secours et de défense contre l'incendie, les pompiers de Paris auront une tâche autre qui sera celle, durant ces 4 années que dure la guerre, eh bien, d'assurer la protection des populations contre les bombardements. En effet, Paris est la cible de vagues de bombardements en 1916 avec les Zeppelins et en 18, qui est l'année paroxysmique, avec les bombardiers allemands, les Gotha et le Pariser Canon. Quelle est donc cette tâche qu'assurent les pompiers de Paris? Tout d'abord, au début de la guerre, celle de relever les caves qui pourront servir d'abri au moment des bombardements aux populations, mais aussi d'avertir les populations au moment de l'arrivée imminente des raids aériens. Ils le font en parcourant les rues, mais aussi les boulevards de la capitale, armés des engins incendies et alertant les populations au son du clairon et de la corne à deux temps. Néanmoins, dans les décombres, les sapeurs-pompiers de Paris relèveront les corps de 522 personnes tuées par les bombes et porteront secours à plus de 1223 blessés. Durant la guerre, plusieurs villes du front, soumises à de violents bombardements, se trouveront rapidement impuissantes à assurer le service de lutte contre l'incendie par leurs propres moyens et vont demander l'aide des pompiers parisiens. Des détachements de forces variables sont envoyés en province pour intervenir de concert avec les pompiers municipaux. Reims, Épernay, Soissons, Amiens, Abbeville, Bar-le-Duc, Chalon-sur-Marne, Compiègne, Dunkerque et Verdun. C'est dans ce contexte que les pompiers se feront les anges gardiens du patrimoine national, comme à Reims, où ils participent à l'enlèvement des vitraux de la cathédrale et de l'église Saint-Rémy. Travail périlleux qui sera exécuté sans échafaudage durant plus de 3 mois. Dans un contexte où l'émotion collective s'est emparée des Français, nombreux sont les sapeurs-pompiers de Paris qui vont consentir au sacrifice patriotique. C'est ainsi que 1200 d'entre eux rejoindront, au cours des 4 années que dure la guerre, le front, rejoindront les unités combattantes. Dans ces unités combattantes, il faut compter sur les compagnies spéciales, que l'on appelle SCHILT, du nom de l'officier ingénieur à qui l'on confia l'élaboration d'un lance-flamme français en réponse au lance-flamme allemand. Et dans l'histoire des compagnies SCHILT, on peut retenir l'épisode particulièrement dramatique que fut celui de la butte Vauquois le 6 juin 1915, au cours de laquelle fut mise en action ces lance-flammes. Malheureusement, les jets enflammés vont toucher dans les tranchées ennemies des caisses de munitions qui, explosant, vont provoquer un retour de flamme. Retour de flamme, mouvement de panique, le liquide enflammé se répandant dans la tranchée brûlera de nombreux soldats et pompiers, entraînant la mort de plusieurs d'entre eux. À maintes reprises, l'ennemi tentera d'atteindre Paris, s'approchant parfois à quelques encablures, mais il sera repoussé avec l'aide des alliés lors des nombreuses batailles sur la ligne de front. Le 11 novembre 1918, l'armistice marque la fin des combats. Le traité de paix est signé à Versailles le 28 juin 1919, scellant la victoire des armées alliées et la défaite de l'Allemagne.
Le 14 juillet de la même année, le défilé militaire de la victoire, auquel participent les pompiers de Paris, témoigne avec éclat de la victoire à l'ennemi. Thank you.